Et le 3 décembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale dédiée aux personnes handicapées. Pour promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées, plusieurs actions sont menées par le gouvernement de la République du Burundi à travers le ministère des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre. Il s'agit notamment de la rééducation et réadaptation physique, l'octroi de matériel de mobilité, la formation à métiers divers et octroi des kits de réinsertion, l'appui en activité génératrice de revenus aux centres et associations pour personnes handicapées, l'existence des écoles pilotes dans le cadre de l'éducation inclusive, etc. En date du 26 mars 2014, le gouvernement de la République du Burundi a ratifié la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées et promulgué la loi portant promotion et protection des droits des personnes handicapées en date du 10 janvier 2018. La politique nationale sur les droits des personnes handicapées de son plan d'action 2020-2024 a été adoptée par le Conseil des ministres et tenue en date du 19 juin 2019. Même si tant d'actions ont été déjà menées en faveur des personnes handicapées, un long chemin restait à parcourir vu l'immensité des besoins de cette catégorie de vulnérables. C'est pourquoi, en plus de la journée de solidarité locale lancée en 2018, tous les intervenants en matière sont invités à mettre en œuvre cette politique nationale avec son plan d'action. La célébration solennelle est prévue pour le mardi 3 décembre 2019, au stade Ingoma de Gitega, la capitale politique du Burundi, sous le thème « Favoriser la participation sociale des personnes handicapées et leur pouvoir d'agir, en geste à la fois ». Nous invitons toute la population burundaise, particulièrement ceux de la province de Gitega, à participer massivement à ces cérémonies. À toutes les personnes handicapées, nous leur disons très bonne fête. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie.